Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision de Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Une mine explose à la frontière avec l'Arménie dans la région de Kars en Arménie occidentale. Les Azerbaïdjanais travaillent dans les villages arméniens Saint-Lerous, Tatoulakopian. La prestigieuse chaîne CNN a classé l'Arménie parmi les meilleures destinations touristiques du monde. Les villes de Martouni et Glendel en Artsakh vont devenir des villes jumelles. Asparez, Artsakh, district de Hadrut, village de Hintarel. Culture de l'Arménie occidentale, danse rituelle. Le jour d'Ashur Divan a été célébré à Kartsakh. Le site turc Kars Olay rapporte qu'une explosion s'est produite lors d'opérations de déminage dans la région frontalière du district d'Arpachi à Kars. Rappelons que l'ONU a appris précédemment que la partie turque effectuait des travaux de déminage sur la section de Kars de la frontière avec l'Arménie orientale. L'agence de presse de l'Arménie occidentale a également présenté les travaux de déminage effectués dans la région de Kars en précisant que ces travaux sont réalisés par des entreprises d'origine israélienne lors d'une conversation avec le Turc et le groupe Ben Safrastian. Le journaliste Tatoulakopian en a parlé sur sa page Facebook. Artsakh, district de Chouchi, Bertazor, 25 juillet 2022. Des Azerbaïdjanais et une entreprise turque achèvent un tronçon de la route Hinshen-Medshen dans le sous-district de Bertazor de la région de Chouchi en Artsakh. Des dizaines d'équipements azerbaïdjanais et d'ouvriers de bâtiments azerbaïdjanais, ingénieurs, chauffeurs, poseurs d'asphalte, travaillent dans les deux villages arméniens sans la présence des Russes. Je le savais, c'était un peu étrange, mais nous l'avons vu aussi. Aujourd'hui, le 25 juillet, Narek Seferian et moi avons utilisé cette route. La photo était prise par Narek. Et il y a quelques incohérences dans mon discours. J'écrirai plus clairement dans ma chronique Alik Media. Dans le cadre de sa série sur les voyages, la chaîne américaine CNN a mis en avant 23 des meilleures destinations et initiatives touristiques du monde en incluant l'Arménie dans la liste. La section consacrée à l'Arménie s'intitule « L'Arménie et la route de la soie », soulignant que l'Arménie possède certains des meilleurs sentiers d'Europe. Le voyage de 11 jours, l'Arménie et la route de la soie, suit les meilleures routes reliant les monastères de Sanahin et de Harpat, protégés par l'UNESCO, en passant par des pics montagneux calcaire et des forêts denses, avec la possibilité de faire de la randonnée dans la montagne sauvage de Geram et d'escalader la plus haute montagneuse du pays, le pic Aragat. L'article dit, la liste comprend également des destinations au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, en Argentine, en Maroc et dans d'autres pays. En tant que maire de Glendal, j'ai décidé d'établir un lien symbolique entre Glendal et la ville de Martouni, dans la République d'Artsakh. J'ai reçu une lettre du maire de Martouni proposant la confirmation du statut de ville jumelle. J'ai présenté la proposition lors de la réunion du conseil municipal et j'espère qu'elle sera approuvée d'ici octobre, a déclaré Artashes Kasakhian, maire de Glendal, à Asparez, dans une interview exclusive. Il ne se passe presque pas une semaine sans que l'on apprenne que le force turco-azerbaïdjanais attaque des colonies arméniennes pacifiques en Artsakh. Et d'ici, comme pendant la guerre, lorsque nous observons le processus de loin, nous nous sentons faibles, incapables d'apporter une aide tangible. Il rapporte qu'en tant que maire, il a décidé de contribuer à l'Artsakh en confirmant le statut de ville jumelle entre Glendel et Martouni. Hintarel est l'un des villages dont l'histoire et le patrimoine culturel arménien sont importants, comme en témoignent les monuments préservés dans le village et aux alentours. On sait que certains habitants de Hintarel ont migré ici depuis le village de Khoyesalmasti en Arménie perse en 1829, pendant la période soviétique. Après l'annexion de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan soviétique, Hintarel faisait partie du district de Hadrut d'Artsakh. En 1988, un détachement d'autodéfense a été formé à Stara Slaboda, qui a été appelé Avenger depuis juillet 1991. À la suite de la deuxième guerre de l'Artsakh, la vieille ville a été occupée par l'Azerbaïdjan en 2020. En Arménie occidentale, les danses rituelles étaient exécutées dans la vie quotidienne à l'occasion des anniversaires, des mariages, des cérémonies funéraires et d'autres rites. Il existe des danses rituelles qui n'étaient exécutées que lors des festivités annuelles une fois. À travers les mouvements de danse, les jeunes essayaient de représenter certains processus d'accomplir des rites sérieux par leur intermédiaire. Ils demandaient aux dieux certains bienfaits. Lorsqu'ils obtenaient une récompense désirable, ils remerciaient à nouveau
niveau dans des danses rituelles. La danse était traitée avec beaucoup de soin et de sérieux par les Arméniennes. C'est parce que la danse était dédiée aux dieux. Les danses rituelles étaient également marquées par le symbolisme distinctif de leurs mouvements. À l'origine, les danses étaient circulaires. Quel était le symbolisme du cercle? Le cercle symbolisait l'infini et l'éternité. Le 23 juillet, dans le village de Kartsakh, district d'Akhalkalak, la célèbre fête d'Ashur Divana était célébrée. Il est depuis longtemps de tradition à Djavar de célébrer en grand pompe la fête dédiée à la mémoire de grande arménienne Ashur Divan. La célébration a commencé par le dépôt de fleurs au monument érigé à Ashur Divan dans le village. Les invités ont été accueillis au musée par l'employé de musée Ashur Divan, Hasmik Saratelian, qui a raconté aux invités la vie de Ashur Divan dans le village de Kartsakh et bien d'autres détails. Puis la partie concert du festival a commencé. Les invités et les personnes présentes ont été salués par Melkom Makarian, maire de la municipalité d'Akhalkalak. La célébration de Divan comprenait des spectacles de l'ensemble de danse Djavark de la maison de la culture d'Akhalkalak, dirigée par Ashur Alik Djavark, des élèves de l'école Ashur d'Akhalkalak et de l'ensemble de danse du village de Kartsakh qui porte le nom d'Ashur Divan. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.